Bonjour les vadrouilleuses et les vadrouilleurs. Bon, bah voilà, la petite vidéo du lundi, si j'arrive à la mettre en ligne. Donc ça sera sur plusieurs petits spots que j'ai faits. Vous allez voir Thor nager pour la première fois. Et vous allez voir Thor se rouler dans la crotte. Parce que je veux pas être vulgaire. Hein. Allez, bon visionnage! Non mais dis donc toi, tu n'aurais pas oublié de t'abonner? Allez, un petit clic! Allez, voilà, t'es prêt? Attention! Hop! Bonjour à tous! Bon ben voilà, j'ai passé, enfin on a passé, ouais, un peu plus de 24 heures sur le petit spot là, au bord du Lot, qui est juste de ce côté-là. Et puis, bon, c'était sympa, franchement. Là, on va changer de coin, car je suis obligée de descendre vers Montauban. Je crois qu'il y avait quelqu'un. Car, moi, ça sent toujours le gaz dans le caisson où il y a la bouteille de gaz, GPL. Et du coup, j'ai téléphoné à Shop Evasion, où j'avais fait installer, effectivement, ce système, et il m'a dit de passer ce mardi matin. Voilà, donc comme il est du côté de Montauban, j'en étais pas loin, je me suis dit je vais regarder ça parce que j'ai tout resserré, je vois pas du tout d'où ça peut venir. Donc lui, il a plusieurs possibilités, il m'a dit, donc il va regarder ça. C'est quelqu'un de très sérieux, de très compétent, donc tant qu'à faire, c'est de voir avec le professionnel. Donc c'est pour ça que je descends vers Montauban. Là, je suis du côté de Cahors. Donc on va reprendre la route un petit peu, on va s'avancer. Parce que nous sommes dimanche et il faut que j'y sois mardi matin, à 9h. Il va falloir se lever de bonne heure. Allez, nous on continue à marcher avec Thor. Hein ? Lui, il sent partout. Je sais pas, il est tout calme aujourd'hui par rapport à d'habitude. Mais bon, il a bien joué, il y a eu deux chiennes qui sont passées. Il a joué avec, pas tout de suite. Hein. Il y a eu quand même, j'aboie dessus et je me sauve. Et après, il a joué avec. Attendez, parce que là, je crois qu'il est en train. Non! Qu'est-ce que tu fais? Il se roule. C'est pas de la merde, ça. J'en sais rien, on dirait comme des fruits écrasés. Et lui, il se roule dedans. Non, mais. Oh, les chiens, ils sont bizarres. Hein. Allez, Thor, viens! Allez, viens. Voilà. J'ai pas encore trouvé de spot. J'ai un peu cherché, mais il n'y a rien de qui me plaît. Il n'y a pas grand-chose qui me plaît. Donc, ça m'embête. Je pense que c'est l'agriculteur, là. Parce que là, il y a un petit potager, du maïs tout autour. Et je pense que l'agriculteur, il a fait le système de pompage, là, dans l'eau. Enfin, dans le Lot. Là, il y a quoi? Ouais, c'est le pompage parce que là, il y a les tuyaux qui passent. Je sais pas si vous allez les voir. Juste là. Il faut bien, hein? Il faut bien. C'est bien! Oui, c'est bien ça! Oh oui, c'est bien! Oh, t'es pas à l'aise, mais c'est bien! Oh, t'as vu ça? Tout ça comme un grand! Oui! Ah! C'est bien! Oh, ça fait du bien! Ah bah oui, ça fait des éclaboussures! C'est bien! Oh là là! Il est content! J'ai trempé mes pieds, il a trempé ses pattes! Bah je suis bien contente, ça fait déjà deux fois! Il vient tout seul! C'est bien qu'il s'habitue tout seul! Bon, j'arrête parce qu'il y a plein de gens qui me regardent! J'ai horreur de ça! Oui, c'est bien! Allez, viens. Allez, Thor. Oh. Non, tu veux pas venir. T'as l'air de nager. Allez, viens. Viens. Allez, viens. Viens, oui. Oh oui, c'est bien. Allez. Allez, Thor. Allez. Oui, regarde, il nage, ce chien. Bon, c'est ses premiers. C'est bien.
Oh bah dis donc. Eh ben tu vois que ça fait du bien. Eh oui, ça fait du bien ça. Oh. Ah bah là si tu te grattes dans l'eau, ça va être difficile hein. Thor, viens, viens, allez, viens, allez, viens, oui. Oh ma gueule, regardez-moi ça, ce grand qui nage tout seul. Oui. Bon, ah, il a eu de l'eau dans les oreilles. Je crois qu'il a pas du tout aimé. Bah alors. Oh non, pas dans les oreilles, hein. Mais non, je vais pas t'éclabousser, n'aie pas peur. Ah non, c'est toi qui viens tout seul, je t'ai pas forcé, hein. Bon, bah voilà, la première nage de Thor. Ah bah, je suis vachement contente, hein. Bon, c'est vrai que c'est pas forcément un grand plaisir, il y va parce que j'y suis, mais ça commence comme ça, il faut l'habituer, tout doucement. C'est lui qui est venu tout seul, je l'ai pas forcé, il est venu me rejoindre. Bon, je pense qu'il s'en passerait, mais mais ça lui fait du bien. Tout à l'heure, vraiment, il était heureux. Là, comme ça fait une deuxième fois qu'on y retourne, peut-être que c'est moins sympa. En tout cas, ça fait du bien, ça rafraîchit. Ça pue un peu. Mais bon, j'ai regardé, logiquement, il n'y a rien de nocif dans le Tarn. Oui, parce que c'est le Tarn. Ah oui, je ne vous ai pas montré. Voilà, je suis dans le Tarn. Enfin, c'est le Tarn. Je sais pas s'il va venir, je vais rien dire. On va voir. Vous voyez, vous? Eh, il vient, j'entends. Voilà. J'ai rien dit, hein. Je l'ai pas obligé. Eh ben, viens. Eh, viens. Oui. Viens, mon grand. Qu'est-ce qu'il y a? Thor? Ah, ça y est, tu t'en vas. Ah, c'est à pas plus d'avoir l'eau dans les oreilles tout à l'heure, hein. Allez, viens, oui, viens. Puis là, j'ai presque, il doit plus avoir pied où je suis. Allez, viens, viens, oui. Allez, c'est bien. Oui, il va me faire tomber dans l'eau. J'ai failli me retrouver le cul dans l'eau. C'est bien. Regardez la pêche qu'il a maintenant. Voilà. Ah bah ça y est. Ah. Voilà, il est tout content, il est tout frais. Il a récupéré, il a, ça l'a bien réveillé. Il est heureux. Bon, je vais essayer d'attraper le papier qu'il a pris. Bon, je suis assez contente hein, qu'il aille dans l'eau comme ça. Bon, j'arrache le papier. Fais voir. Tu viens, Thor? Allez, viens. Pas la peine. Il va juste le mietter. À quoi que. Donc, oui, je suis bien contente que là, déjà, il ait nagé un petit peu. Je suis assez surprise. Je pensais pas qu'il le fasse si tôt. Donc, ce n'est que. Je suis vraiment contente et fière de lui. Ah ouais, je suis assez fière de lui. Et ben là, je suis autour de l'aire de camping-car d'à côté de Mont-Marsan. Et là, il y a tout un terrain de foot, enfin plusieurs terrains de foot même. Et il y a une aire de pique-nique qui est mise à la disposition avec plein de petits barbecues. Là. Ici, sur chaque table, il y a un barbecue. Je vous laisse regarder les dégâts. Bon, ben là, on n'a pas nettoyé, on a laissé les os là-dedans. Les assiettes en carton. Voilà. Attendez, c'est pas fini, hein. Ah, bah oui, là, je me promène, hein. Je regarde juste, hein. Là, les bouteilles en plastique. Alors ça, c'en est rempli. Non, mais... Moi, j'hallucine. Franchement, les poubelles, je ne sais pas si vous les voyez là-bas qui débordent. Ah, ça, c'est le charbon de bois qu'ils ont laissé. Enfin, bon, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a même les barquettes en plastique, du papier partout, les gobelets, encore plein de bouteilles de bouteilles en plastique. Regardez ça. Regardez ça. Les poubelles qui débordent. Voilà. Voilà. Il y en a partout. Partout. Partout.
Et après, les gens disent, ah oui, mais bon, il n'y a rien, on ne peut rien faire. On est délaissé pour contre, on ne peut pas partir en vacances. Ouais, mais quand tu as des trucs comme ça qui sont mis à disposition, tout ça parce que, bah, et là, on ne peut pas dire que ce soit les camping-caristes. Hein. Faut arrêter aussi. Hein. Là, c'est bien les locaux, les gens qui viennent pique-niquer ou, je sais pas, les colonies. Enfin bon, c'est bien ça qui laisse le bordel. Hein. Qu'on ramasse rien derrière. Moi, franchement, ils ne méritent pas. Tout ça, ils ne méritent pas. Non, non, non. Là, je suis dégoûtée, quoi. Quand je vois ça, moi, j'ai envie de crier, quoi. Enfin, encore une bêtise humaine. C'est tous les jours. C'est ça qui est épuisant. C'est que c'est tous les jours, la connerie humaine, on ne voit que ça. Que ça. Allez. Bon, ben bonjour à tous. Voilà, j'ai enfin trouvé aujourd'hui un emplacement qui est pas trop mal. Il y a beaucoup de vent par contre. Hein. J'espère que, c'est pour ça que j'ai pris le micro, que le son sera pas trop mal. Ah oui, ça a été la galère pour trouver un endroit aujourd'hui. Alors déjà, la journée a commencé à 7h du matin, car je devais me lever de bonne heure pour aller voir le monsieur pour qu'il puisse regarder ma fuite de gaz de GPL. Donc logiquement, enfin il a trouvé, il a changé plein de trucs parce qu'il ne savait pas du tout d'où ça venait. Et puis bon, bah là on pense avoir remédié à cette fuite. Le truc bizarre, c'est qu'il y a un filtre à particules, qui était complètement déchiqueté. Lui, c'est la première fois qu'il voyait ça, alors que c'est un spécialiste. Hein. J'espère que ça va tenir. D'autre part, après, nous sommes allés, Thor et moi, on est allés dans la ville pour pouvoir trouver, effectivement, la 4G pour mettre en ligne ma vidéo que vous allez voir, donc la vidéo de la semaine dernière. Oui, c'est ça. Et 3 heures de téléchargement. Mais même la 4G en pleine ville, ça passe pas, quoi. On est resté pleine ville, enfermé dans le fourgon parce que j'étais mal garé. Enfin bon, galère. Et là, c'est le troisième spot que je fais. Mais c'est le bon. Il y a des maisons, comme vous pouvez le voir, mais c'est calme. Et franchement, je suis bien contente d'avoir trouvé ça. C'est à l'ombre. Et par rapport à ce que j'ai pu voir, là, j'avais trouvé un autre coin sympa au bord de l'Aveyron. Mais au bout d'un quart d'heure, j'étais becquetée de partout. Des moustiques, il était 15h et quelques, il y avait des moustiques. Alors, j'ai mangé, il était 16h. Hein. C'est pour vous dire, hein, la journée que j'ai eue. Enfin, qu'on a eu, le pauvre. Oh, c'est lui qui m'a fait mon tort et c'est lui qui m'a fait le plus mal. Tu fais là sur le banc, hein? Qu'est-ce que tu fais? Il veut manger à la caméra. Donc voilà, bien contente. Là, on est bien, on est à l'ombre. Franchement, ça fait du bien. Parce que cette chaleur encore. Oh, bon, 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 bon. Bonjour à tous. Bon, ben on a passé une belle petite nuit ici, hein, au calme avec Thor, là, franchement. Oh, ah ouais, la petite aire de camping-car, là, c'est incroyable. Personne, voilà. Oh, on n'a pas eu, même pas un camping-car, rien. Et avant-hier où j'étais, tout le monde était les uns sur les autres. Ha, c'est quoi, à 20 km de là où j'étais? Ben, je suis bien contente. C'est au calme. Je suis au petit café. Ah ouais. Bon, aujourd'hui, ça va pas être une journée pour Thor. Aujourd'hui, course. Ça, déjà. Et le pire, il faut que je trouve une laverie. J'ai plus rien à me mettre. Ah ouais, là, ça commence à craindre. Donc, faut que je trouve ça. Et pour Thor, ça va pas être vraiment l'idéal non plus. Décidément, mais bon, après, j'emmènerai se balader, tout ça, se dépenser, comme je fais tous les jours. Oh, j'ai bien dormi. Franchement, très bien dormi. Ça fait du bien. Oh.
Eh ben voilà la bêtise de Thor, arrête-toi. Regardez-moi ça. Il s'est roulé dans de la merde. Bon, eh ben ce qu'il attend, c'est la douche. Moi aussi, parce que de toute façon, ça va pas être commode. Alors, non, parce que là, il est hors de question qu'il rentre dans le fourgon comme ça. Alors, je vais sortir la poire de la douche ici et je vais essayer de le doucher là toute seule. C'est pas gagné du tout. Mais ce matin, il s'est levé à faire toutes les conneries. Franchement, je l'ai vu, mais dès ce matin. Dès ce matin, là, je sais pas ce qu'il a aujourd'hui. Il a dû. Bon, c'est vrai qu'on a bien dormi, hein. On a dormi 10 heures. Ouais. Mais coupé d'une sortie dans la nuit, à 4 heures du matin. Mais sinon, on a dormi 10 heures. Ouais, d'accord. Il est en forme. Et j'essaie de vous montrer ça, ce qui va pas être évident, parce que là, je vais avoir besoin de mes deux mains, mes deux pieds, mes deux genoux, ma tête et tout. Hein. Non, mais... Bon, je vais préparer ça. Allez. Je suis épuisée. Je lui ai donné la douche. Je n'ai pas pu filmer, c'est impossible. Impossible. On aurait dit que je le tuais. Mais je l'ai eu. Thor. Viens. Viens montrer. Voilà. Il est tout mouillé. Je l'ai séché un peu. Puis là, on va aller faire un tour parce que... Oh, il est surexcité. Surexcité. Et là, aujourd'hui, il n'écoute rien. Oui. Il est casse-pied. Regardez-le. Il s'est déjà roulé. Hein. Mais bon, il ne s'est pas roulé dans la merde. C'est de la terre. Ça, c'est pas grave. Ça se brosse. Et là, la merde. Un abonné hier qui m'a dit « Ah, tu verras quand il mangera de la merde. » Ça s'est fait hier. « Ah, tu verras quand il va se rouler dedans. » Merci. Ça m'a porté la poire. Ça aussi, c'est fait. La première fois aujourd'hui. Je l'ai vu se rouler dans le truc. J'ai dit « Hop, 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 ça. » Ça sent pas bon. Bon, je lui ai donné une petite récompense pour lui dire que c'était bien pour la douche. Mais il n'a pas du tout apprécié. Mais pas du tout. Enfin voilà. Allez, on est parti pour faire un petit tour. Bon, c'est très joli. Mais franchement, vu les traces là, à la surface de l'eau. Non, non, non. Je te mets pas l'eau, mon gars. C'est trop, trop dégueulasse. J'ai qu'une hantise, c'est qui tombe par inadvertance. Non, non, Thor, viens. Viens, 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 viens. Non, non, ça c'est... C'est bien, oui. Oui, c'est bien ça. Oh, oui. Oh, il a pris sa douche, il est content, mon chien. Oh, qu'il est content. Oh, voilà, un beau petit coin. Hein. J'aime bien. Je ne sais pas si on va pouvoir faire le tour. Là, j'arrive, on dirait, comme une impasse. On va aller voir. Oh, regardez comme il est mignon. Je me suis arrêtée parce que regardez tous les petits sapins de Noël là qu'il y a, qui ont été plantés. Oh, oh, c'est trop mignon, c'est trop joli. Je ne sais pas pourquoi ça a été planté là. Est-ce que ça sent? C'est ça que je voulais savoir. Non, ça ne sent pas. Je trouve plus les sapins qui sentent, moi, quand j'étais gamine. Pendant Noël, ben voilà, les sapins sentaient le sapin. Tu viens, Thor? Bon, bah du coup, j'ai changé d'emplacement. Je suis venue où je vous ai montré tout à l'heure qu'il y avait une voiture là et des pêcheurs. Bah, je suis venue à l'emplacement là. Regardez la vue que j'ai, c'est quand même mieux. Hein? C'est pas mal, hein? Bon, les moustiques ce soir, je risque peut-être d'en avoir. Mais bon, c'est pas grave, j'ai le remède. Vous allez voir ça. J'ai le remède. Bah ouais, hein. C'est ce qu'il faut, hein. Bon, je sais que c'est chimique, mais... Allez, moustique, je me suis fait bouffer l'autre soir, là. Oh, au secours. Puis là, je me fais un peu de riz, avec un peu de poisson. Voilà, il est 13h13, exactement. J'ai une faim. Et Thor est à peu près tranquille. Là, il joue avec... Je ne sais pas si vous le voyez, parce qu'il y a des reflets. Il joue avec des branches. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas,
laissez-moi un pouce, ça, c'est toujours agréable. Et puis bien sûr, si c'est pas le cas, abonnez-vous. Ça, non, pas le droit d'y échapper, il faut s'abonner. Laissez-moi vos commentaires, bien sûr, j'y réponds à chaque fois. J'y arrive encore, oui. Mais j'en passe du temps, hein, j'avoue. Hein. Portez-vous bien, vadrouillez bien, et je vous dis... Et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!